Bonjour et bienvenue sur Tout Commun. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre quelques pas de reggaeton pour les enfants. Vous verrez, il s'agit d'une chorégraphie facile à suivre, du début à la fin. On va commencer par des mouvements faciles des pieds, vers la droite et vers la gauche, comme ça. Il est important de plier un peu les genoux et de faire un léger plié, comme on dit en danse. On va ajouter maintenant quelques mouvements des bras. Vous allez voir. Jambe gauche, bras droit, puis jambe droite et bras gauche. Très bien. Vous pouvez bouger aussi la tête et la poitrine comme ça. On va voir maintenant un autre mouvement pour les enfants. Il s'agit de faire un petit cercle accompagné de mouvements de bras pour nous aider à tourner. Et on y va. Et maintenant de l'autre côté. Au lieu de faire le cercle complet, vous pouvez tourner à moitié comme ça. Répétez le mouvement 3 fois dans chaque sens. Et maintenant, pareil de l'autre côté. Parfait, très bien. Voyons ensuite le quatrième pas. Si vous avez vu nos autres vidéos de Tout Commun, vous aurez déjà fait ce mouvement. Regardez bien. Coude gauche et bras contraire ouverts comme ça. Répétez-le plusieurs fois. Parfait. Et ensuite à l'inverse. Très bien. Il s'agit tout simplement de répéter le mouvement plusieurs fois. Passons maintenant au cinquième pas qu'on va apprendre dans cette vidéo, le kickball change. Ce pas de danse est également utilisé dans différents styles de danse. On peut bien évidemment ajouter ce pas de danse basique à notre chorégraphie. Le kickball change consiste à changer de pied. On commence par passer de notre pied droit à notre pied gauche. Regardez. Si vous arrivez à le faire correctement, vous pouvez accélérer comme ça. Voilà, parfait. On arrive enfin à notre dernier pas de danse de cette vidéo, le pas de bourrée. Ce pas facile donne beaucoup de mouvements dans les chorégraphies et connaît beaucoup de variations. Il s'agit d'un pas en trois temps, vous allez voir. Voyons maintenant toute notre chorégraphie depuis le début. Et voilà, j'espère que le cours d'aujourd'hui vous aura servi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur Tout Commun.